Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un autre test sur 1080, un jeu sorti sur Nintendo 64 et puis c'était édité par Nintendo en 1998. Et oui, c'est le meilleur jeu de snow, de planche sur neige sur Nintendo 64. Ça déchire, tout déchire dans ce jeu. Les graphiques, la musique, l'ambiance, c'est superbe comme jeu. Je vais commencer immédiatement. Et voilà, pour commencer, nous avons Match Press, Time Attack, Trick Attack, le Contest, Joueur 2, l'entraînement et options. Nous allons aller voir les options. Et voilà, nous avons les records, le replay, le son. La langue, on a anglais et japonais, et japonais, je vais dire, putain, il n'y a jamais français, et voilà, et c'est tout pour les options, et voilà, je vais faire un trick attack, je vais commencer par un trick attack, et voilà, nous avons le choix entre... Nous avons le choix entre 5 personnages, je crois, pour commencer. Et oui, moi, je vais prendre lui ici. Et voilà, c'est Ricky Wonderboard du Canada. Et oui, et puis j'ai toujours pris ce personnage. Et voilà. Et dans ce jeu, nous allons pouvoir débloquer des trucs en passant le tour du jeu. On va pouvoir avoir une planche en pingouin, on peut avoir une tête de panda, un bonhomme en or, un bonhomme en argent, ainsi de suite. Et puis choisissons une planche, nous avons le choix de choisir notre planche. Moi j'ai toujours pris la Tao 555 et voilà, en régulier. Et on va commencer par du half pipe et voilà, j'adore le half pipe. Ce n'est pas une course, c'est pour faire des points. Et voilà. Je suis avec mon fantôme. Et voilà. Super le fun, agréable à jouer. Oh putain. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Oh putain. Super bien foutu encore une fois. Rien à dire sur ce jeu, même après 11 ans. Oh putain. Voilà. On a du temps. Oh putain. Je vais faire un 5000. Oh putain. Et voilà. J'ai réussi mon combo 5000 à la fin. C'est un petit score, d'habitude on peut taper, mon best score c'était 42 454. On peut faire encore plus haut que ça en réussissant à faire des 1080. Et oui, c'est très dur à faire. Et voilà, on a le petit replay. Et voilà, on va regarder le replay, c'est super bien fichu. Et voilà. Le soleil est super bien fait. Super bien foutu encore une fois ce jeu. 10 sur 10 en tout. En tout point. Et oui, super bien foutu. J'ai rien à dire. Et oui. Je vais faire un match race pour vous montrer. On va courser contre un autre courseur. Et oui, on n'a que deux. Et voilà. Pour commencer, nous avons la difficulté. La normale, on a 4 courses à faire. La hard, on a 5 courses à faire. Et l'expert, on a 6 courses à faire. Nous allons commencer par la normale. Et voilà. Je vais prendre Wiki Wonderboard du Canada. Et voilà. Avec la Tao 155. Et voilà, en régular. Et voilà, nous allons commencer immédiatement la course. C'est la Crystal Lake. J'ai 3 vies, je me pogne contre un autre opposant. Et voilà, super bien fichu. Pour pogner de la vitesse, on tient le Z en dessous.
mais j'ai encore de la misère à atterrir quand on vole très haut. Ça me fait chier. Et oui, super bien foutu. On peut changer la vue avec le piton jaune en haut. Et voilà, on peut avoir la first person view. Super bien foutu. Mais moi, j'aime mieux jouer comme ça. Oh putain. Et voilà, je vais me concentrer pour arriver premier. Ici, je vais me planter. Et non, j'ai réussi. Putain. Et voilà. Et voilà. Il y a un point, la musique elle est très répétitive je trouve. Oh putain. Et voilà. Et super bien fait, la poudreuse, la neige arvole. Et puis il y a la trace de la planche dans la neige que je trouvais à l'époque super bien fait, même aujourd'hui. Et j'aime encore ce jeu, il est excellent. Oh putain, et voilà, on arrive à la fin. Faut pas que je fasse le con. Oh putain, je veux pas pogner deux jaunes pour planter. Et voilà. Et oui, j'ai terminé premier. Et voilà. Super bien foutu encore une fois ce jeu. Nous allons faire la deuxième course. Et voilà, je ne sais pas si on va avoir le temps de finir le championship. Ça c'est Crystal Peach. Et oui, dans l'environnement, il y a le danage. Ça change avec la difficulté. Oh putain! Comme là, on est à normal. Si on serait à hard, à chaque niveau, le changement climatique change. C'est super puissant comme système. Je trouve ça bien fait. Oh putain! Je me fais dépasser par une fille. Et oui. Ça, faut que je... Concentration. Oh putain! Prends sa connasse. Et voilà. Oh putain! Et voilà. Super bien fichu. Oh putain! Encore une fois. L'effet de vent dans les vêtements du personnage, on le voit. C'est bien fait, je trouve. Pour du 64, là, ça déchire. Et voilà. On est concentré. Je roule 110... Oh putain! Je roule 110 km/h. Et voilà, je suis dessus de la glace. C'est pas le même contrôle. Oh putain! Et voilà, je suis premier. Bon. Oh putain, de glace, de merde. Allez, connard, et voilà. Super bon jeu, encore une fois. Putain, j'ai fait l'handicapé. Et oui, putain. On a une gauche de vie en haut à gauche. Ça marque damage, et oui. Je flash rouge, je me replante encore une fois. Et je suis fichu. Va falloir que je recommence. Putain, et voilà, concentration, j'arrive à la fin de la course. Oh putain, et voilà. Et oui, je vais réussir les mecs. Et voilà. Attention, et putain, et voilà. Et oui, j'ai réussi quand même cette course. Ça va être la fin du test sur 1080. Qui a sorti au Nintendo 64 en 98. Et puis, je vous remercie à tous. Et puis, je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine. Okay,